You know I love you, baby, more every day. Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Oui, les youtubeuses se réveillent maquillées avec des lumières derrière elles comme ça. C'est ça la vraie vie. Non, je rigole. On a fait des photos, c'est pour ça. On est douché, on a remis nos pyjamas et on a fait quelques photos parce qu'on a reçu le petit déj. Je suis toujours avec Rox, hein, au cas où. Oui, je ne ressemble à rien, je sais. On a reçu le petit déj en chambre parce qu'on. Des youtubeuses blogueuses, hein. On s'est fait un kiff. Non, mais en fait, c'est le même prix, quoi. Donc on s'est dit, bon, ça peut faire des photos sympas sur un malentendu, voilà. Par contre, je meurs de faim. J'ai dormi, je pense, à peu près sur les 4 heures. Si on s'est couché à 2 heures, levé à 6h20. J'ai dormi à peu près, je pense, 2 heures. À peu près. Ouais. Insomnie, j'étais trop excitée. Hier, on a parlé comme des adolescentes jusqu'à 2h du matin. C'est ça, en fait. On dormait, on disait, bon, maintenant on dort. Et après, oui, en fait, voilà. Voilà. Bref, hein. C'est pas grave. On est vieille, mais on est encore jeune, donc ça va. Et donc au petit déj, on va pas tout manger parce que là, clairement, il y a un million de trucs. Il y a de quoi faire, quoi. Il y a des fruits, il y a des viennoiseries, il y a des fruits coupés, des fruits pas coupés, du pain complet. Moi, j'ai pris du muesli, du pain complet. J'ai essayé de prendre des choses saines et après, bien sûr, Rox a pris des viennoiseries et elle a gâché tout mon régime. Ouais. Et voilà. Elle va dire que c'est moi, mais oui. Bon, ça y est, on est un peu la team chapeau. On est prête à partir, on est avec nos manteaux, nos manteaux longs. C'est un peu le look. Ouais, c'est cool. Ouais, moi ma tenue c'est très simple pour voyager, un jean, un haut et voilà. On va prendre l'avion, on vous a toujours pas dit où on allait, hein. On va bientôt vous le dire. Je vous jure, on va vous le dire. Là, on va se galérer un peu quand même, hein, parce qu'il faut qu'on marche, qu'on prenne l'Orlyval, qu'on retourne à Orly Ouest et tout. Mais ça va, c'est juste qu'il faut un peu marcher. Ce serait peut-être temps que je vous dise où on va. Hein, on est mignonnes avec nos chapeaux. J'allais dire la bande de la brune, mais non. En plus, enfin, pas la même couleur, mais la même forme, vraiment. Bon, alors on va au Rox. On va au Portugal. Bon, vous le savez déjà parce qu'elle publie son vlog avant moi, donc il n'y a pas trop de suspense. Mais j'ai pas les mêmes abonnés que toi en fait. Hein. Je pense que si tu as tout, je pense que tous mes abonnés. Non, je pense que tous mes abonnés te regardent. Du coup, ouais, on va à Lisbonne. À côté de Lisbonne, à Cascais. Je sais pas comment ça se prononce en portugais. C'est là la queue? Oui, mais ouais. Je pense que c'est plutôt bout. Ah non, c'est Porto là. Ben non, ah. Porto, c'est pas nous. Bah, alors, on les a perdus, ça y est. Bah, on va pas à Lisbonne finalement, on s'est perdu. Ouais, on va à Lisbonne et ben on va vous faire découvrir ça. Et on a perdu les autres blogueuses, voilà. Où sont-elles? T'es prête? C'est là une place de star. C'est ça? Attends, on te voit pas, t'as contre-jour. Oh mince! Voilà, ça y est. Je suis trop contente. Regardez, en fait, elle est à la porte et il n'y a pas de siège là. Genre. Tu dis la meuf, elle a les chevilles qui enflent. Regarde, ils lui ont même mis des magazines là dans la porte. La meuf, elle a les chevilles qui enflent, il faut absolument lui mettre de la place. Ah ouais, t'as la place dans la. Ouais. Si elle en a marre, elle ouvre la porte et saute. Ouais. Ciao. Non, non. Bon, on arrive bientôt. Il y a 2 heures de vol, hein, quand même. 2h20, je pense. Ouais, pour le Portugal. Mais il y a une heure de moins là-bas. C'est le même fuseau horaire que Londres, l'Angleterre. Donc voilà, du coup, on a quand même gagné une heure sur le trajet, ce qui est bien. On arrive à midi et demi, c'est cool. Et pour l'instant, il fait beau. Mais apparemment, ça va pas durer. C'est dommage. Parce que, à mon avis, il fait meilleur ici qu'à Paris. Et ça y est, on a mis le pied sur le sol portugais. C'est si moche que chez nous pour le coup. Ouais, c'est dommage, hein. On vient d'arriver à l'hôtel, donc je vous ai toujours pas dit, on a été invité par Catimini, donc la marque Catimini de vêtements pour enfants, qui est en partenariat avec cet hôtel qui est vraiment magnifique. C'est le Martin Hall, je sais pas comment on prononce vraiment, Martin Hall à Cascais. C'est un hôtel familial, apparemment il y a beaucoup de structures pour les enfants. Donc on va découvrir tout ça pendant ce week-end et on va découvrir aussi du coup leur partenariat avec Catimini, ce qu'ils mettent en place pour leurs clients, etc. Donc on est là avec d'autres mamans
blogueuses qui sont là aussi pour découvrir l'hôtel. J'ai hâte de voir ma chambre parce que franchement, vraiment déjà rien que l'entrée, on a fait un tour, enfin on est arrivé en voiture, c'est le parc et tout, c'est vraiment hyper méga canon. Franchement, je pense qu'on va être hyper bien ici. Donc voilà, je pense qu'on va faire des activités, tout ça, on va voir, on va découvrir ça en même temps que vous parce qu'on est au courant de rien. Mon rock, ça te plaît? Je pense que le sofa au fond là, c'est complètement ton style. Hein. C'est vraiment très beau. Alors je viens d'arriver dans ma chambre et je pense que honnêtement c'est l'une des plus jolies chambres que j'ai faites, que j'ai eues dans ma vie. On a fait des beaux hôtels avec Nico mais cette chambre est particulièrement magnifique, je tiens à le préciser. Petit room tour, c'est parti. Quand on rentre ici, on a... Comment ça marche? Ah, un placard, d'accord. Placard comme ceci avec un petit coffre-fort. Ensuite, c'est vraiment canon. On a la salle de bain qui est juste dingue, mais dingue. Donc on a les peignoirs, hein. Ça c'est la base. On a même des tongs, ça c'est aussi la base. Et regardez-moi ça, la baignoire qui donne hop sur le reste de la chambre comme ça. Donc la baignoire est immense. Et il y a une immense douche là, mais genre tu rentres à 10 dedans. Ok, tu peux laver toute la famille à l'intérieur. Et là, il y a les toilettes. Ok. C'est vraiment double vasque, très mignon, avec des petits produits. Franchement, c'est vraiment canon. Il y a des miroirs partout, donc c'est hyper lumineux. Ça, je pense que c'est une porte qui est fermée. Ouais. Ensuite, là, on arrive dans la chambre qui est vraiment très très grande. Donc... j'ai un lit genre, c'est vraiment immense. Après le concept c'est que on te voit je pense quand tu es aux toilettes, c'est ça? Je sais pas, je pense que tu peux, on doit pouvoir fermer en fait le, ça. Je sais pas, bon moi je suis seule, je m'en fiche, mais voilà, là il y a un miroir de dingue. C'est immense. Et il y a l'air d'avoir plein de petits trucs, qu'est-ce que c'est ça? Des dragées, des amandes. C'est trop canon ça, j'ai jamais vu. Des bonbons. Des dragées. Des fruits secs, ça, ça va me plaire. De l'eau, du café. Bon, il y a un mini bar, la télé. Et là, il y a un canapé qui est canon. Donc je vais pouvoir m'installer. Et j'ai des cadeaux. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont mis? Oh! Wow, donc ça c'est apparemment, il faut que je demande plus de renseignements, mais les clients qui viennent en famille avec cette offre famille reçoivent des cadeaux catimini, les parents qui viennent avec leurs enfants. Hein. Donc là, déjà le panier est magnifique, on a un chapeau qui est vraiment hyper canon, et là va être ravie parce qu'elle adore les chapeaux. Ensuite, on a un joli pareo qui peut faire aussi office de... de petites serviettes, mais vraiment, voilà, trop mignon. Ça, pour la plage, nous, ça va être chez nous, juste un rêve. Hop, des lunettes de soleil. Vous imaginez pas à quel point Ella va être contente d'avoir ses lunettes de soleil, parce qu'elle est fan des lunettes de soleil. Et là, tout ce qui est déguisement et tout, c'est genre le truc qui lui plaît beaucoup. Donc, mettre des chapeaux et des lunettes, c'est sa passion. Ce bandeau, il est très joli. Donc ça, c'est la nouvelle collection Catimini, j'imagine. On va en savoir plus tout à l'heure. Ça, c'est pour ranger les lunettes par la suite. On a un petit, une petite eau de toilette, un petit carnet et ce magnifique panier avec le foulard comme ça. Oh, ça va être canon, ça. Je vais tout ramener à la maison. Franchement, je suis trop contente. Vraiment trop, trop contente. Donc, j'ai une terrasse aussi. Hein, franchement, j'hallucine un peu hein, de cet hôtel. Il est trop beau. Regardez la terrasse, hyper grande. On ne nous voit pas du tout hein, de l'intérieur, par contre, hein, ça c'est nickel. Qui donne sur l'extérieur. Donc là-bas, il y a des jeux pour enfants. Et on entend le bruit de l'eau, là, de toutes les fontaines. Apparemment, il y a plusieurs piscines. Franchement, c'est vraiment très très joli. Et ce qui est bien, c'est que vous, vous avez toute la luminosité, mais on ne vous voit pas du tout. L'air de jeu est quand même pas mal du tout. Hein. Je pense que... Et là, ah, la tyrolienne. Oh, j'en connais une qui va faire la tyrolienne. Il est temps de déjeuner maintenant. Parce que dans l'avion, je ne vous l'ai pas dit,
Ils avaient des sandwichs mais à la viande. Et quand j'ai demandé s'ils avaient quelque chose sans viande, ils m'ont dit non. Donc je n'ai pas mangé. Et du coup là ils ont prévu un repas. Donc je pense qu'on va toutes, on a toutes très faim, il est 14h. Regardez comme c'est cool. Ça c'est notre rêve ultime à Nico et moi. Un jour peut-être. Ah c'est trop mignon. Et là c'est, ah c'est génial hein. Les aires de jeu pour les enfants sont vraiment top hein. On a hyper bien mangé. C'était trop trop bon, vraiment. Franchement c'est excellent. De la cuisine saine comme j'adore, du boulgour, c'était très fin, léger, franchement trop bien quoi. Ouais c'était trop bon. Là on est dans la chambre de Mila Babychou. Yes. Mila Babychou's room. Oui j'ai déjà foutu le bazar partout comme vous pouvez le remarquer, voilà c'est super. On est en train de réfléchir à toutes les photos qu'on va faire. On est un peu des dingues hein. Là on est en train de s'y... Mais attends c'est super, t'as vu, t'as le Red Jardin toi. J'ai vu sur le cul du jardin, excuse-moi. Non, t'as un jardin, arrête. Tu peux plaindre, voyons. Tu peux aller faire des galipettes dans l'herbe. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est bizarre, c'est bizarre ce que tu me dis là. Ouais, c'est un peu chelou quand même. Non, franchement, c'était hyper bon, je suis repue. Là, on a maintenant, on va assister à la présentation de la collection de Cathy Mini. Donc, les filles de Cathy Mini vont nous présenter toute la collection d'été, je pense, 2018. Oui. Et ouais, c'est cool, ça va être sympa. Et elles sont très sympas en plus, hein. Franchement, ouais. On est une bonne petite équipe. Je sens que ce petit séjour va être cool. Ils ont prévu les activités, on a vu le programme. Ça va être chouette demain. Franchement, demain, on va être. Franchement, c'est le petit séjour maman. Ça j'apprécie là, franchement. C'est assez cool. Tu peux te goûter ? Oui. Il est là. C'est l'heure du petit goûter. Tu vas voir comme ils sont bons ces gâteaux-là. À la noix. À la noix ? Oui. Non, ils sont au chocolat. Au chocolat noisette. Oui, chocolat noisette, exactement. Le mien s'est trompé, c'était chocolat noisette. C'est vrai ? Est-ce qu'après on va aller se promener ou pas ? Tu veux qu'on aille se promener après ? Oui. Bon, du coup, t'as fini ton goûter ou pas ? La loutre bleue, il est caché. Qui c'est qui t'a offert ça? Mia. Nani Mia? Oui. Oh, plein de pâtes à modeler. Et la noire. Du coup, de quelle tape? Il y en a beaucoup, hein? Oui, il y en a beaucoup. Il faut y apprendre. C'est pas à moller. On va jouer sur la petite table, la vieille petite table. Oui, d'accord. Allez, amène-le sur la vieille petite table, on va jouer un petit. Bon, moi, j'ai du boulot à la maison aussi. Oh, ça, la pâte à moller, c'est ton boulot, d'accord? D'accord. On va faire tous les dessins, d'accord? D'accord. Oui, moi, j'ai du boulot à la maison avant qu'Elissa rentre. Il faut que je vire cette table qui est en trop. Car on a celle-ci qui la remplace maintenant. Il va changer celle-ci. Oui, et j'ai ces chaises aussi. Ah, là, les chaises ici. À monter aussi dans le grenier. Et j'ai toute la maison à ranger parce que là, elle en a mis de partout. Waouh, Nani Mia, elle en a acheté beaucoup. Hein. T'es contente? Oui. On va toutes les ouvrir ou pas? Oui, d'accord. Non, on va pas toutes les ouvrir. Choisis des couleurs. Mais on va toutes les ouvrir, d'accord? Quelqu'un m'a dit. On essaye la noire. J'en ai jamais vu la noire. Ah, on a jamais vu ça. Non, j'ai jamais vu la pâte à modeler noire. Je fais un crochet, s'il te plaît. Pitié. Pitié, tu veux que je te montre comment on fait un arc-en-ciel? Oui. Je vais te montrer, je vais te faire un super beau arc-en-ciel. Pitié. Maman, il veut faire un gâteau pour maman. Maman, il va être contente. Tu vas lui faire un gâteau d'anniversaire à maman? Oui. Ah oui, elle va être très contente. On va le faire tenir debout. De faire mon arc-en-ciel? Oui. Il est trop beau, je suis fort. Hein. Oui. Regarde, je t'ai fait une fleur arc-en-ciel pour toi. Bon, ce qui est top, c'est qu'il y a dans la salle de restaurant où il y a aussi des petits déjeuners, il y a un coin enfant qui en plus
pas mal du tout quoi, c'est pas le coin enfant bidon, c'est vraiment le coin enfant où il y a tout ce qu'il faut. Et quand on a un enfant de l'âge d'Ella, franchement c'est le genre de choses très très appréciables. Donc là, on est en train de découvrir la nouvelle collection Catimini 2018, printemps-été, je dirais. C'est ça, ouais, printemps-été. Et c'est autour des jardins. Ça s'appelle comment la collection exactement? Je ne sais absolument pas. Jardin... Meuf, elle demande à la pire élève du monde comment ça s'appelle. Et on a fait des photos, comme vous avez pu le voir, de différentes pièces qui nous ont bien plu. Avec Rox, on s'amuse à trouver des endroits pour faire des photos dans le jardin du coup de l'hôtel parce que ben ça s'y prête bien, on va dire, pour le plaisir. Voilà, ça nous fait plaisir. Et c'est très coloré, les graphismes de tous les motifs de la marque sont exclusifs Catimini, c'est à dire que c'est des graphismes que vous verrez jamais ailleurs, ils ont été créés spécialement pour cette collection. Et c'est vrai que c'est très original. Ils ont radouci, parce que moi je suis pas hyper fan à la base des couleurs très très vives. Ils ont radouci un peu leur style et ils ont radouci leur style. Non, si, ils ont radouci. Ça c'est très joli du coup. Moi je suis pas fan des trucs genre, tu sais, les marques flash, clinquantes et tout. Trop de motifs flash. Chez eux, c'est vraiment le motif rouge. Oui, toi t'as bien aimé toi. Et moi je. Les petites libellules là, je trouve ça vraiment très très mignon. Bon, en fait, ils se sont trompés. Ils auraient dû nous donner une suite, Rox et moi. Parce que on vit littéralement ensemble depuis hier. On ne se quitte pas. C'est-à-dire qu'en fait, soit on est dans la chambre de Rox, soit on est dans la mienne. On n'arrête pas quoi. Donc voilà, ils auraient mieux fait. Ça aurait été plus rentable pour nous. Une seule grande chambre. Donc là, Rox, elle est en train de télécharger, enfin de regarder toutes les photos qu'elle a faites aujourd'hui au réflexe. Elle a fait des photos de ouf, j'ai fait des photos d'elle aussi, donc j'ai essayé moi un peu. Tiens, tu apprends vite. J'apprends, hein, voilà, j'essaye un peu de prendre des conseils de Rox qui fait de belles photos. Et du coup, ben voilà, on regarde, moi aussi je suis en train de regarder les photos que j'ai prises avec mon réflexe. On va aller manger après, là il est 18h ici parce qu'il y a une heure de moins en fait au Portugal par rapport à la France. Il est... Santé. Il est 18h et on va manger à 19h30, c'est ça? Je sais pas. Roxane, elle ne suit rien. Elle est fatigante. Elle ne suit rien du tout. C'est la mauvaise élève. À chaque fois. Elle fait des belles photos. Elle fait des belles photos, donc on lui pardonne tout. Bon, allez, moi je vais regarder les miennes et on va voir s'il y a des trucs potables. Bon, je me suis vite fait, mais vraiment très vite fait, remaquiller. Et habillée du coup, j'avais mis cette robe pour faire des photos tout à l'heure, mais je la garde pour ce soir. Je sais pas si vous me verrez en pied. C'est une robe que je trouve très belle, qui est assez originale, mais qui me plaît beaucoup, qui est complètement dans mon style. Elle est originale parce qu'elle est quand même... elle arrive mi-mollée, quoi, donc c'est une longueur qui peut être un peu bizarre. Mais je la trouve cool, elle vient de chez Mango. Et je l'ai mis avec mes petites bottines à talons. Et je trouve qu'elle est sympa, c'est mon style, ça me plaît. Donc là... je vais rejoindre Rox qui vient de partir en fait de ma chambre il y a une minute parce qu'elle est partie mettre ses habits et elle m'a dit rejoins-moi. J'attends que mon portable fasse une mise à jour et après j'y vais. On va aller manger. Comme elle est mignonne, on dirait une petite poupée japonaise. C'est vrai, trop chou. Bon, on va manger. Ouais, encore. On est venu pour manger comme d'hab. De toute façon, quand on va quelque part, c'est pas moi. C'est pour manger. Ok, ciao Roxane. La 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 la, love is love. La la la. C'est trop mignon ce qu'elle a eu. Et moi aussi c'est très mignon ce que j'ai eu. Ça a l'air hyper bon, c'est une tarte au chocolat. Ça a l'air vraiment très 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 bon. Le repas est fini. Je suis franchement impressionnée par la qualité le talent du chef. Ou la qualité de la restauration dans ce resto, franchement c'est hyper méga bon quoi. C'est très recherché, genre le dessert c'est à la bergamote,
il y avait un sorbet maison à la Bergame, enfin vraiment des trucs qui changent et qui sont très très bons avec des goûts qui se marient très bien. Enfin, Nico il aurait adoré. Désolée chérie, cette fois-ci tu n'es pas avec moi. Il bisque un peu, hein. Je vous cache pas qu'il m'a dit ah ouais, tu pars sans moi. Il n'a pas l'habitude, mais bon, malheureusement c'était que entre maman, donc voilà. Ça fait du bien quand même. Demain on va se faire une journée détente. Donc voilà, j'espère que ce premier jour au Portugal vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à la liker et à vous abonner si c'est pas encore fait, parce que ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à demain dans un nouveau vlog. Ciao! Does the moon not know?